Les évacuations se poursuivent autour du volcan Copahue, à la frontière entre le Chili et l'Argentine, en raison d'une augmentation inquiétante de l'activité sismique qui fait craindre une éruption. Le plan d'évacuation concerne environ 3000 personnes vivant dans un rayon de 25 km autour de ce volcan qui culmine à 3000 mètres d'altitude au sud de la cordillère des Andes. Les autorités ont finalement réussi à convaincre les villageois qui refusaient de partir, craignant pour le bétail. Je ne voulais pas quitter ma maison, dit cette femme. On a tellement de choses ici, les poulets, les animaux, il faut bien s'occuper du bétail. Oui, je suis triste de partir. Je resterai jusqu'à ma mort, dit cet homme. J'ai de la nourriture ici, des poulets, des moutons. S'il y a une éruption, je partirai, mais pas avant. Selon les vulcanologues chiliens, l'activité sismique du Copahue aurait atteint un point de non-retour.